taureaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois d'avril 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. D'ailleurs mes amis, comme d'habitude, je vous invite à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. Je compte comme d'habitude sur votre discernement et bon raisonnement. Donc mes amis, prenez toujours ce qui résonne en vous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux du monde. Alors après, si vous regardez cette vidéo au début du mois, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la fin ou peut-être vers la moitié du mois. Mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas. Et il est fort probable au début du mois, quand vous allez regarder cette vidéo pour la première fois, il n'y a pas tout qui va cliquer en vous. Mais au fur et à mesure du temps, ça peut donner beaucoup plus de sens. Après, bien évidemment, si vous avez envie d'avoir des réponses précises par rapport à vos questions personnelles, donc pour cela, n'hésitez pas à me consulter en privé. Vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on va faire le tour sur tous les domaines de vie comme on a l'habitude de faire et puis certainement il y aura des messages de guidance, de voyance et de conseils pour vous mes amis. On va commencer de ce côté-là avec les énergies principales de ce mois-là. Et comment je vois le mois d'avril pour vous mes amis, c'est un mois de rencontres, c'est un mois de sorties, c'est un mois dans lequel vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes, que ce soit en amitié, ça peut être des partenariats professionnels, ça peut être de nouveaux collègues parce que vous allez changer du travail. Maintenant aussi, bien évidemment, ça peut être sentimental, relationnel. Alors, surtout si vous êtes célibataire aujourd'hui ou vous êtes à la recherche d'un nouveau départ sentimental, fort probable vous allez faire une belle rencontre sur ce mois d'avril, d'accord? Et aussi pour certains taureaux, on va parler d'un mois de bifurcation, un mois dans lequel vous allez vous-même prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ça peut être parce que justement vous allez prendre un choix important en ce qui concerne votre carrière, en ce qui concerne votre travail. Peut-être, pourquoi pas, vous allez laisser un travail, voilà, et vous allez vous diriger vers une autre opportunité par exemple. Peut-être aussi vous allez décider entre, par exemple, entre le partenariat, être indépendant ou salarié pour certains. Vous voyez, ça peut aller dans les deux sens de toute façon. Vous pouvez changer de salarié en indépendant ou carrément l'inverse. Maintenant aussi, bien évidemment, on peut parler aussi de choix importants qui s'imposent par rapport à un lien, par rapport à une relation. Si vous êtes par exemple dans une relation depuis un moment, ou peut-être carrément vous êtes dans une triangulaire, on peut s'attendre à un choix important qui va être fait sur ce mois-là, que ce soit de votre part, mes amis, ou peut-être on va choisir par rapport à vous. Si jamais, par exemple, vous êtes la tierce personne dans le couple, par exemple. Voilà. Donc, on voit bien, vraiment, c'est un mois décisif, c'est un mois de choix. Alors, effectivement, pour certains, il est possible que vous allez avoir comme ça une période dans laquelle vous manquerez un peu de confiance ou vous manquerez un peu de... Surtout ici, c'est pas la confiance, mais plutôt la clarté, d'accord? Donc, surtout si on a vraiment un choix très important à faire, genre qui peut impacter la carrière, etc. C'est tout à fait normal aussi, des fois, qu'on peut hésiter, qu'on peut être un peu dans la confusion. On peut passer aussi par une légère petite remise en question, mais ne vous inquiétez pas. Donc ici, je vais vous parler déjà du tirage tarot parce que je pense que là, vous allez retrouver cette clarté qui vous a manqué au bout d'un moment pour finalement faire ce fameux choix. D'accord? Voilà, déjà, on va rentrer tout de suite maintenant dans le tirage tarot. Vous allez comprendre parce que les cartes, elles se rejoignent en fait et elles se complètent. Bon, écoutez, vous déjà, vous sortez ici au centre de votre tirage avec le roi. Déjà, j'ai la reine aussi également hein, qui est là, on va parler de ça aussi après. Donc déjà ici, on a le roi de Pentacle. Cette carte-là, je pense qu'elle vous représente énormément dans ce tirage, vu que vous, vous êtes un signe de terre. Maintenant aussi, elle va nous parler également de l'importance de la carrière et de la sécurité financière pour vous, mes amis, sur ce mois-là. Apparemment, ça va être le centre d'intérêt, si vous voulez, pour peut-être la plupart de mes amis les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Alors, sans surprise, on voit qu'il y a ce fameux choix qui revient ici. Hein, tout à l'heure, on a parlé de ça dans les énergies dominantes. Et bien, vous voyez bien, c'est ça un peu le défi ou le challenge de ce mois-là. C'est vraiment de pouvoir faire un choix ou de pouvoir faire le bon choix par rapport à une situation, une relation, un domaine de vie, le travail, etc. Donc, et je pense ici...
au niveau de l'énergie dominante ou au niveau de l'état d'esprit, ne vous inquiétez pas, parce que même si au bout d'un moment vous allez avoir l'impression que vous n'évoluez pas, ou vous êtes bloqué, ou vous n'arrivez pas à faire le bon choix, ou vous manquez de perspective, vous êtes coincé, etc., ne vous inquiétez pas, parce que je pense ici que les choses vont pouvoir vraiment avancer. Et on peut parler ici de dénouement justement par rapport à cet état d'esprit, parce qu'avec la reine d'épée, on ne peut pas faire des mauvais choix. D'accord, c'est vraiment ici une belle carte, et en plus elle est bien placée, elle est placée dans la position de l'état d'esprit. Donc je pense que mes amis, et surtout cette carte là elle est dans le passé, vous voyez bien. Donc je pense ici derrière vous, quand vous allez rentrer dans le mois d'avril, vous allez laisser justement ce tracas, ces tracas, cette incertitude, ces doutes, ces remises en question, hein, vous allez les laisser derrière vous, parce que là on voit bien que vous êtes petit à petit en train d'évoluer, et certainement vous allez pouvoir justement faire ce bon choix pour vous, selon votre situation, selon le domaine, voilà, selon votre défi en fait, hein, d'accord. Et je pense aussi que pour certains d'ailleurs, vous allez pouvoir mettre un terme à un conflit. Alors ça, ça peut être un conflit intérieur, une grande remise en question. Maintenant, ça peut être aussi un conflit, voilà, dans l'entourage, entre vous et quelqu'un. Pour certains, ça peut être un procès, un litige. Donc ce que je pense ici, ce que je vois ici dans les cartes, je pense vraiment que surtout avec la carte de l'amoureux, bien évidemment, on peut pouvoir ici résoudre un conflit, hein, une dispute peut-être, un malentendu entre vous et votre entourage. Ou tout simplement, vous allez pouvoir ici vous faire, enfin, trouver une solution, trouver une réponse par rapport à un conflit intérieur qui vous préoccupe depuis un certain temps. Parce que ça peut être également une énergie qui vous freine, hein, depuis peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, etc. Alors, le conseil ici, ou sur qui, sur quoi vous pouvez compter, donc là déjà, voilà, il faut faire preuve de foi, d'acte de foi. Il faut aussi saisir les opportunités quand elles vont venir vers vous, mes amis. Il ne faut pas résister, il ne faut pas attendre. Surtout quand on parle de chance et d'opportunités dans la vie, des fois, ce ne sont pas le type d'énergie qui reste ou qui nous attend en fait. Quand on voit une opportunité ou quand on sent qu'il y a quelque chose ici qui est en train de... voilà, de se manifester, ben, il faut justement saisir ces opportunités-là rapidement. C'est une carte également qui vous demande d'être flexible sur ce mois-là, hein, d'être aussi un peu aventureux, si je me permets de le dire. Donc, c'est pas à prendre ici dans un mauvais sens, dans le sens où il faut courir des risques ou il faut prendre des risques à tort et à gauche et à droite, non. Mais ici, il faut savoir justement... quand est-ce qu'il faut dire oui, quand est-ce qu'il faut sauter sur les opportunités, et il faut être aussi ouvert par rapport à la réception de ce que vous avez demandé. Parce que j'ai ressenti honnêtement dans votre tirage, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti les énergies de manifestation en fait. Certains taureaux, vous êtes en train de manifester quelque chose, ou peut-être dernièrement, vous travaillez souvent ou beaucoup avec la loi de manifestation, d'attraction, etc. Et là, vous cherchez vraiment quelque chose de particulier, ou vous cherchez le bon moment justement pour saisir une opportunité que vous essayez de manifester depuis un moment. Et donc quand cette opportunité elle va se représenter, voilà, il faut la saisir et il faut être justement ouvert à la réception. Ce que je pourrais vous dire aussi également, mes amis, surtout ici dans votre... c'est pas l'entourage, parce que l'entourage c'est cette carte-là, mais là plutôt au niveau de relationnel et sentimental. Alors là, cette carte-là justement, elle peut nous parler de la triangulaire que j'ai vue ici. D'accord. Donc pour certains, voilà, on peut s'attendre à un choix. Et si pour vous, dans le cadre d'une triangulaire, alors peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être vous-même déjà, possible, hein, vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça va dans les deux sens. Possible ici, vous, mes amis, vous êtes dans une relation en ce moment, vous n'êtes pas libre, mais vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord. Peut-être que parce que votre relation peut-être ne vous satisfait pas, ou il y a un manque quelque part que vous pouvez... possiblement, quelque part, succomber autrement, d'accord, ou avec une autre personne. Et donc ici, cette carte-là, elle peut justement me parler, hein, de triangulaire pour certains taureaux. Maintenant, c'est une carte également qui me parle de méfiance. Alors surtout ici, en ce qui concerne des retours de certains ex, par exemple, ou un retour du passé. Parce que je ressens également, pour certains taureaux, il est possible que votre passé peut vous visiter,
tout simplement sur ce mois-là. D'où cette idée de conflit intérieur, d'où cette idée aussi de doute, d'incertitude et possiblement d'un choix important qui va être fait. Et donc là, je vois également beaucoup de méfiance et d'ailleurs, honnêtement, on vous conseille aussi d'être dans la méfiance. Parce que je pense ici, pour vous, mes amis les taureaux, vous avez beaucoup changé. Même si cette personne, par exemple, elle revient aujourd'hui dans votre vie, la rupture ne date pas depuis très longtemps, moi je dirais, mais il y a quelque chose en vous qui a changé. Et comme si en fait aujourd'hui, vous arrivez vraiment à voir les choses d'une manière beaucoup plus lucide, beaucoup plus claire en fait, hein, d'accord ? C'est comme si aujourd'hui, on ne peut pas vraiment vous manipuler, ou on ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus vous maltraiter. Et surtout, une autre énergie qui m'a frappée énormément dans votre tirage, c'était cette énergie de reconnaissance. Donc je trouve vraiment que vous serez reconnu énormément sur ce mois-là par rapport à vos efforts, par rapport à votre vous-même, votre personnalité, votre caractère, votre énergie, la personne unique en fait que vous êtes. Et pour moi, ça peut être vraiment dans le cadre du travail, comme ça peut être aussi dans le cadre du relationnel, amical, familial, sentimental, etc. Et d'ailleurs, regardez bien, en ce qui concerne l'entourage, vous, par rapport à votre entourage, on a cette énergie de reconnaissance, on a cette énergie vraiment de renommée, on a cette énergie aussi également de célébrité pour certains. Voilà, si vous travaillez, par exemple, dans un travail, voilà, peut-être pourquoi pas, avec les réseaux sociaux, etc., on peut parler d'une réussite, d'une célébrité. Maintenant aussi, je pense que vous avez également des personnes dans votre entourage qui sont très positives. Donc ici, entourez-vous aussi également de personnes positives pour certains, mais je sens ici que vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui vous supportent et qui sont vraiment comme une source de positivité pour vous, pour votre évolution. Ça peut être par exemple un bon ami ou votre partenaire carrément ou quelqu'un de la famille. Et encore une fois, si ça vous a manqué de la reconnaissance, vous allez la trouver. Et surtout, regardez bien ici, en ce qui concerne l'argent et les finances, on a le 6 de bâton qui nous parle encore de victoire, encore de reconnaissance, encore de réussite, d'accord ? Alors, on peut parler de prime pour certains, on peut parler d'un gain, peut-être un retournement positif par rapport à un investissement. Du coup, ça peut être carrément ici, vous allez avoir gain de cause par rapport à un procès, par rapport à un litige, par rapport à peut-être une démarche de succession, etc. Donc, encore une fois, ici, on a vraiment de magnifiques cartes et surtout, avec les cartes de l'élément de terre que je vois ici, je ressens une situation financière stable ou à la limite, on peut parler d'une amélioration au niveau des finances pour ce mois d'avril, mes amis, pour vous, mes amis, les taureaux. Alors, on va continuer avec ces cartes-là. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que je vous sens plutôt, mes amis, les taureaux, bien évidemment, pour la plupart, en train de changer en ce moment. Vous avez grandi, vous avez changé, vous avez évolué, et même s'il y a des personnes qui peuvent vous revisiter, par exemple, des personnes de votre passé, qui peuvent être aussi, par exemple, des anciens amis, par exemple, vous voyez, j'ai l'impression qu'on va tout de suite reconnaître que vous avez vraiment tellement changé. Mais pour le positif, hein, pour le positif, pour le bien, d'accord ? Prenez ça aussi comme une confirmation, comme un certificat, comme une certitude pour vous montrer à quel point aujourd'hui vous avez évolué, à quel point aujourd'hui vraiment vous êtes devenu une meilleure version de vous-même. D'accord ? Regardez, je pense que vous allez le sentir, hein, surtout à travers votre entourage. Alors, vous regardez bien ici, la conclusion de ce mois-là, ben, on voit bien, il y a un changement pour vous, surtout, c'est un changement qui va démarrer au niveau de l'état d'esprit. Aujourd'hui, vous allez voir votre vie d'une manière différente. Et je pense que votre perspective, déjà, par rapport à certaines choses dans votre vie, comme le travail, comme l'argent, comme les amis, comme le relationnel, à la fin du mois, j'ai l'impression que vous allez comme avoir comme ça un déclic, où vous allez avoir une certaine clarté, si vous voulez, qui va vous permettre vraiment de voir aujourd'hui les choses ou percevoir les choses d'une manière complètement différente. D'accord ? Et surtout ici, pour mes amis qui sont... Alors là, je m'adresse à deux catégories majoritairement, les personnes qui sont en séparation par rapport à quelqu'un que vous aimez ou par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez depuis un moment, mais il y a une séparation récente. Et aussi, je m'adresse à mes amis qui sont célibataires. Donc, je pense ici, s'il y a eu des blocages, s'il y a eu vraiment une période difficile, par exemple, une période de séparation, de conflit, etc., une période un peu compliquée, donc là, vous allez pouvoir vous retrouver. D'accord ? Donc il y a la possibilité quelque part, hein, de se réconcilier et surtout cette réconciliation, elle va apporter un grand changement aujourd'hui dans votre couple.
Donc je pense ici aujourd'hui vous vous réconciliez parce que vous deux vous avez grandi, vous deux vous avez évolué et vous deux aujourd'hui vous êtes prêts pour travailler ensemble dans le couple. Maintenant pour mes amis les célibataires, justement c'est un mois dans lequel fort probable vous allez retrouver votre moitié, d'accord? Je vous ai parlé de rencontres tout à l'heure déjà dès le début du tirage et donc ici on le voit d'une manière très 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 forte, je vais vous montrer les cartes. Donc là on a tiré carrément le roi et la reine de pentacles qui sont pour moi le meilleur couple dans le tarot. Parce qu'avec cette carte-là, et d'ailleurs, c'est votre signe, bien évidemment, le taureau, c'est le signe de terre, mais aussi, c'est une carte, c'est un couple qui est là pour rester ensemble. C'est un couple stable, c'est un couple équilibré, c'est un couple compatible, c'est un couple vraiment dans lequel on voit les choses de la même façon, de la même manière. D'accord ? Voilà. On voit bien ici, donc là pour compléter le dos du deck, donc ici on peut parler de voyage, on peut parler de déplacement, mais surtout cette carte-là pour moi me confirme cette idée qu'on voit bien qu'on va tendre vers du mieux au niveau de l'état d'esprit, on va retrouver du calme, on va retrouver la sécurité. Je pense que pour certains, peut-être certains taureaux, le mois de mars il a été un peu compliqué, mais je vous assure que le mois d'avril ça va être vachement mieux en fait. Et d'ailleurs, d'après ce que je ressens sur plusieurs plans. D'accord ? Voilà pour vous mes amis, prenez bien soin de vous, passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.